Coucou les filles, donc nous voilà pour le premier vlog de nos vacances. Il est 3h13 exactement et nous partons. C'est Mathias qui commence à conduire et je conduirai après, de toute façon on change. Je vous reprendrai sur la route, vous suivez inquiétez pas. D926. Là c'est le GPS mais on va le faire taire je pense. Et donc voilà, en tout cas c'est parti pour 11 heures de route on va dire. Mais c'est pour les vacances, donc tant mieux. Là, la luminosité est jaune parce qu'il fait extrêmement nuit, donc j'ai allumé un peu le plafonnier, mais on verra bien ce que ça donne. De toute façon, au pire, c'est pas très très grave. Moi, la lumière jaune, je m'en fiche un peu. Je regarde des vlogs qui sont pas non plus d'hyper qualité, et c'est le contenu qui est important et pas la lumière jaune. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je pense que ça bouge pas mal. J'éviterai de bouger après. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Mais le premier vlog, dites-vous que ça va être beaucoup de route. Et je vous montrerai l'endroit où l'on va. A tout à l'heure. Donc nous voilà les filles, il est à peu près 8h moins quart et nous déjeunons. On s'est arrêté au niveau de Clermont-Ferrand à l'ère des volcans, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer mon petit déjeuner et après c'est moi qui reprends le volant puisque là Mathias a pris le volant depuis 3h du matin. Donc je vais le reprendre un peu jusqu'à midi, j'espère, parce que je suis quelqu'un qui m'endort facilement au volant. Donc j'espère que je vais... C'est pour ça que j'ai pris un bon café, un bon petit déj pour bien me booster. Donc on se retrouve tout à l'heure, peut-être un petit peu dehors avant de reprendre le volant et certainement après sur la route. Voici le petit déjeuner de folie. Et Mathias, il a pris ça et on s'est pris un jus d'orange pour deux avec du Nutella, de la confiture. Tout ce qu'il faut pour repartir de bon pied. Donc à tout à l'heure les filles. Donc nous voilà arrêtés, ça fait 3 fois que je filme cette partie là. On vient juste de dépasser Valence et on s'est arrêté boire un café au Mac Café. Et puis moi fumer une clope en même temps. On va changer de chauffeur. Et après j'espère qu'on s'arrêtera juste pour manger pratiquement à l'arrivée. Il nous reste à peine 2h30 de route, donc tant mieux. Là c'est Mathias qui va prendre le volant. Je pense pas que je vais me rendormir, mais on ne sait jamais avec moi. Il fait assez beau, je sais pas si vous allez voir. En tout cas, il fait meilleur qu'en Normandie, et ça c'est cool. Donc voilà, donc je vous retrouve certainement pour manger. Je vous ferai voir un petit bout de la route, s'il y a des paysages assez jolis. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Beaucoup, je suis en contre-retour, donc on est arrivé là, enfin on est arrivé, on est une demi-heure de notre arrivée et on s'est arrêté à l'aire de Lançon et donc on va manger un quick pour ce midi, ça va être très bien, on verra pour manger plus correctement plus tard pendant les vacances. On est naze, on va se reposer tantôt, aujourd'hui on va pas faire grand chose. Il n'y a que ce soir, on va aller voir mon cousin et sa petite famille pour l'apéro, mais je ne vous vloguerai pas à ce moment-là, je pense. Et je vais vous faire voir ce qu'on mange quand même. Donc là, on s'arrête une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure pour se reposer un peu les jambes. Et après, encore une demi-heure de route et on sera arrivé, donc on est bien content. Le vlog d'aujourd'hui, je pense qu'il ne sera pas hyper intéressant puisque ce sera beaucoup de route et beaucoup de blabla, mais bon, c'est pas très, très grave, hein. C'est comme ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous faire voir ce qu'on mange et à plus tard pour la suite de ce vlog du jour. Donc voici le petit burger. J'ai pris, c'est quoi déjà Matt que j'ai pris? Un chicken, enfin c'est un truc au poulet, moi je mange pratiquement que du poulet. Et Matt il s'est pris un, je ne sais pas quoi, suprême classique avec des frites, un iced tea et Matt s'est pris de la flotte. Donc voilà pour le repas de ce midi.
Donc ça y est, les filles, on est arrivées et en fait, on prend 2 nuits d'hôtel sur la Ciotat, juste en face du port. C'est le Best Western, c'est ça, hein? C'est un 3 étoiles, enfin bref, vous verrez la chambre, elle est trop belle. De toute façon, je retourne l'appareil et je vous fais le room tour pour vous montrer tout ça. C'est magnifique, c'est trop trop beau. Donc là, c'est complètement l'entrée. Juste à cette porte-là, vous avez tout simplement les toilettes, hein, c'est pas un truc de ouf, quoi. Là, vous avez la salle de bain, donc avec une douche à l'italienne, un grand vasque, et en fait, ça, c'est directement en lien avec la chambre. Il y a une vitre, mais on nous voit. Enfin, je trouve que c'est trop cool, avec un miroir grossissant. Il y a le sèche-cheveux. Là, c'est des petits cotons démaquillants, je trouve ça trop chou. Là, c'est moi. Coucou. Là, c'est un petit peigne de la crème lavante pour les mains et des mouchoirs. Bref, c'est super sympa. Vous avez des grandes serviettes, des petites. Là, c'est mon vanity. Ensuite, là, vous avez une double armoire. Donc, on a mis les valises comme ça, parce que comme c'est pour 2 nuits, je vais pas tout enlever. Donc là, vous avez un oreiller en plus, notre deuxième valise et un petit coffre-fort. C'est hyper sympa. Là, vous avez un grand miroir dans l'entrée qui fait tout le long. Et ensuite, la chambre. Donc le lit, sincèrement, il est immense. Je pense qu'il est plus grand que chez nous, c'est même sûr. Là, donc vous avez l'ordi et mon sac cadeau. Le mini-bar, c'est à 1,50€ chaque truc que vous prenez dans le mini-bar. Je trouve que c'est assez raisonnable, mais je pense pas qu'on va prendre quelque chose. Là, vous avez le petit plateau d'accueil qui est totalement gratuit. Donc, c'est trop trop chaud. Vous avez une immense télé. Ça, c'est trop cool. Je pense que Mathias, il va être trop content. Là, un petit bureau plutôt sympa. Je pense que je me mettrai sûrement ici pour vloguer pendant ces 2 jours-là pour monter. Un petit fauteuil. Et le best du best, c'est une terrasse avec la vue sur la Ciotat, sur le port de la Ciotat. C'est magnifique. Là, vous avez 2 yachts. C'est vraiment trop joli. De toute façon, nous, on adore cette ville-là. C'est vraiment trop, trop beau. En plus, il fait hyper beau. Et je vous retourne pour vous parler d'autre chose. Et donc, voici toute la chambre. Sincèrement, elle est vraiment très jolie. Je remercie encore une fois Mathias. Il est juste à côté de moi, mais il sait. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir ces 2 nuits-là. Ça va nous requinquer. Ensuite, bah, on partira au camping comme c'était prévu. Le camping est très, très bien. On l'a déjà testé. Il est très, très bien aussi. De toute façon, on vous le montrera. Et en fait, tout à l'heure, je pense qu'on ira là-haut au 5e étage. Il y a la piscine, le jacuzzi, le hammam. Il y a une salle de fitness. Donc, on a dit que pendant les vacances, on allait se mettre ensemble à faire du sport. Mathias en fait déjà beaucoup, mais moi, j'en fais pas du tout. Et donc, on va profiter de tout ça pendant 2 jours, c'est sûr. Même si, malgré tout, on va aller se promener demain, c'est certain. En tout cas, je suis vraiment trop, trop contente. Vous voyez, j'ai un gros retard. Génial. Donc, voilà. Je pense pas que le vlog d'aujourd'hui sera immense, immense. Parce que ça a été beaucoup de route. Là, on est fatigué. Je pense qu'on va se reposer un petit peu. On va peut-être boire un petit café. Je sais pas si Mathias veut boire un café. Il me dit oui. Vous allez pas voir beaucoup Mathias dans les vlogs. Sauf peut-être de dos ou quoi, parce qu'il veut pas que je le vlogue à côté de moi. Il tient à sa vie privée. C'est une star, vous savez. Donc voilà. Bon bah je vous fais des bisous. Je vous retrouve dans la journée et d'ici là, portez-vous bien. Donc j'étais partie chercher des cigarettes. Mathias a pris sa douche. Moi aussi j'ai pris une douche, ça m'a fait du bien. On s'est reposé un peu. Et en même temps, le temps qu'il prenne sa douche, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu la vue de l'hôtel. Avec les mouettes, c'est plutôt sympa. En fait, on est sur le port de la Ciotat, on connaît très bien. Hein. Nous, ça fait plusieurs fois qu'on vient en fait, et on adore par ici. Mais il faisait très très beau quand on arrivait, et là, il pleut. Donc j'espère qu'on n'a pas apporté la pluie avec nous, parce que sincèrement, on aurait un peu les boules. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va aller faire un petit tour à Carrefour. On a 2-3 petits trucs à acheter. Pour les 2 jours à l'hôtel là. Et puis je vous emmène à Carrefour. Je vais pas vous emmener chez mon cousin, je pense. Par contre, je vous emmènerai ce soir. Je sais pas trop si ce qu'on va manger ou si on mange ou pas, on verra bien. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. En tout cas,
cas, j'espère que c'est qu'un jour vous plaira. Voilà Carrefour. Juste avant, j'ai dû vous montrer comment le coin maquillage, truc de ouf. Moi, j'ai pas ça chez moi. Et en même temps, je vous ai montré en fait le vernis que je vous montrerai dans mes favoris. Je crois que c'est le 8 octobre qui va arriver, qui fait pousser grave mes ongles, et c'est ce produit-là. Donc voilà. Là, on va prendre une petite bouteille de lait pour le café à l'hôtel dans la chambre. On a pris un petit paquet de bonbons aussi pour mes petits cousins et voilà. Je vous dis à tout à l'heure parce qu'il y a un peu de monde. Donc nous revoilà ce soir. Il est à peu près 21h30. On s'est arrêté à un restaurant pas très loin de l'hôtel. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais il y a du monde un peu partout. C'est un restaurant italien. C'est a l'air d'être super bon. On vous fera voir les plats. Après on va rentrer à l'hôtel et je clôturerai le vlog à l'hôtel pour pouvoir le monter pour que vous l'ayez demain mardi à 17h30. J'espère que je pourrai vous mettre les vlogs tous les jours à 17h30. De toute façon, sinon, suivez-moi sur Instagram ou ma page Facebook, elle est en barre d'infos. S'il y a le moindre souci, je vous informerai sur ces réseaux sociaux-là. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'on a pris. Et ça a l'air d'être trop bon, ça a l'air d'être des pâtes fraîches, etc. Donc voilà, c'est du 8 fait ce soir, mais un petit resto sympa pour bien débuter nos vacances. A tout à l'heure. Voici les plats, donc j'ai pris des tagliatelles avec du pesto vert, du jambon sec et du parmesan. Et Matt, il a pris des lasagnes avec une petite salade verte et du pain. Donc on vous dira tout à l'heure si c'était bon ou pas. Bon appétit Matt. Donc nous voilà le soir les filles, on est rentrées de chez mon cousin et du restaurant. C'est pas dit du tout les vlogs tous les jours parce que j'ai énormément de mal. Là, je suis en train de le... Je vais le monter, mais alors c'est hyper compliqué. Il faut que je jongle avec ma 4G et j'ai pas énormément de 4G jusqu'au 4. On verra bien, on va tester. De toute façon, comme je vous disais, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si j'arrive pas à vous mettre le vlog en ligne, je vous le dirai de toute manière. Donc pour une première journée, on a déjà vu beaucoup de choses. La lumière, elle est jaune, mais je laisse tomber parce que c'est au niveau du portable. C'est pas du tout au niveau des lumières. Donc tant pis. Donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit parce que moi, je vais me coucher juste après. Et je vous retrouve demain. Bisous les filles.